Alors qu'il est en exercice depuis janvier 2021, Apiti-Apiti Clément, chef désigné par la communauté villageoise selon les us et coutumes hachans, n'a toujours pas reçu son arrêté préfectoral. Une situation que déplorent les Tchagba, la génération au pouvoir en pays ébrié. Victime de gérontocratie, depuis un coup d'Azito, on fait des réformes des classes d'âge. Et c'est ainsi que depuis 2020, dans ces deux villages, la génération Tchagba ont accédé au pouvoir. La passation ayant été faite avec la génération Dubo, il y a quelques dissidents qui sont restés en marge de cette passation, qui sont en train de perturber la quiétude des deux villages. Yopou Nkouté, c'est en voie de règlement. Malheureusement, il y a quelques incompréhensions. Mais nous voulons rassurer les uns les autres que la campagne de sensibilisation va toujours continuer. Nous avons lancé un appel aux autres villages hachans, demandant à leurs différents chefs de s'impliquer, afin que nous puissions donner du respect à nos us et coutumes. Les regards des villageois sont actuellement tournés vers les autorités administratives.